Un jour, j'ai voulu faire découvrir Mel Gibson à une personne qui m'est chère. Une personne qui n'avait alors jamais vu l'acteur en action. À la fin du film, et avec tout le recul d'une première découverte, elle l'a décrit comme étant très exubérant et passionné. Et je pense que je n'aurais pas pu trouver meilleur terme pour résumer son travail en tant qu'acteur, mais surtout en tant que réalisateur. Parce que oui, avant d'être metteur en scène de génie, Gibson, c'est avant tout un des acteurs les plus bankable d'Hollywood, cumulant près de 5 milliards de dollars de recettes sur l'ensemble de sa filmographie. Il travaillera avec les plus grands, apprendra d'eux, se présentera sur un plateau en tant qu'acteur, mais également en tant qu'élève, étant passionné de mise en scène et essayant de comprendre le fonctionnement de cet art bien particulier. C'est, selon ses dires, George Miller et Peter Weir qui constitueront ses plus grandes inspirations. C'est auprès d'eux, dans des films comme Mad Max ou Gallipoli, qu'il prendra conscience que le rôle de comédien n'est pas suffisant pour qu'il puisse pleinement s'exprimer. Il sautera donc le pas en 1993 en réalisant son premier film L'Homme sans visage, grâce notamment à sa toute récente boîte de production Icon. Ce drame intimiste sera un timide succès, mais permettra à Mel de se faire la main et d'enchaîner en 1996 avec Braveheart, qui lui signera la consécration de Gibson en tant que cinéaste, salué par le public, par la critique, et raflant au passage l'Oscar et le Golden Globes du meilleur réalisateur. A partir de là, sa confiance est au plus haut, et rien n'arrêtera sa vision. En 2004 sort ce que beaucoup considèrent comme le film le plus controversé du siècle, La Passion du Christ. Le parti pris est total. Gibson ne se refuse rien et offre au monde un film tourné entièrement en langue morte et mettant en scène un des événements les plus représentés de l'histoire de l'humanité. Les critiques sont mitigées et le cinéma passe au second plan. La polémique prend de l'ampleur. Un film jugé trop violent, historiquement inexact, antisémite. Mais malgré tout le lynchage médiatique, ou grâce à lui devrais-je dire, le film est un immense succès commercial. Que ce soit au cinéma avec plus de 600 millions de dollars de recettes pour un budget de 30 millions, et même en vidéo, vendant près de 3 millions de VHS et de DVD aux États-Unis dès sa première journée de commercialisation. Forcément, après ça, il enchaîne, et nous propose en 2006 son quatrième film, Apocalypto, qui met en scène des acteurs mexicains et amérindiens totalement inconnus et qui raconte les dernières heures de gloire de la civilisation maya. Le film est tourné en langue traditionnelle maya et s'avère être totalement sublime, mais n'aura pas le succès qu'il mérite. Qui plus est, au même moment, ce sera le début de la descente aux enfers pour Gibson, qui retombera dans l'alcoolisme, divorcera dans la foulée en y laissant 400 millions de dollars, et sera totalement blacklisté par Hollywood à la suite de plusieurs sorties médiatiques plus que limites. Il faudra attendre 2016, soit près de 10 ans après son dernier film, pour qu'il revienne sur le devant de la scène en mettant tout le monde d'accord avec le film de guerre « Tu ne tueras point ». Les critiques seront unanimes, Hollywood sera forcé de lui réouvrir ses portes et Gibson aura sa revanche grâce à une ténacité à toute épreuve et un talent derrière la caméra que personne ne sera en mesure de nier. Voilà en gros le résumé de la carrière de Mel Gibson en tant que réalisateur, et même si la remise dans le contexte fut importante, le but ici ne sera pas simplement de survoler sa filmographie dans l'ordre chronologique, non. Dans cette vidéo, je vais tenter d'analyser ce qui constitue les obsessions du cinéaste à travers trois thématiques. Car vous allez voir qu'en seulement 5 films, Mel Gibson a su créer une cohérence dans son cinéma. Et même si c'est un être humain à l'esprit difficilement accessible et plutôt imprévisible, son œuvre, elle, se vaut limpide en ce qui concerne son message. Du coup, ne perdons pas plus de temps, entrons dans le vif du sujet, et essayons de comprendre ensemble ce qu'est le cinéma de Mel Gibson. La religion, et plus précisément le catholicisme, semblerait être au cœur de la filmographie de Mel Gibson. Mais pourtant, quand on y regarde de plus près, on peut constater que c'est la foi au sens large qui prédomine. La foi en une croyance, en une divinité bien sûr, notamment dans Tu ne tueras point, mais aussi la foi en l'amitié, la foi en son pays, la foi en l'amour, et surtout la foi en l'être humain. C'est là tout le paradoxe du cinéma de Gibson, qui va réussir à se montrer aussi pessimiste que confiant en ce qui concerne le genre humain. Dans son premier film, L'Homme sans visage, Justin McLeod deviendra un paria de la société et alimentera les pires rumeurs à cause d'un accident qui le défigurera, cachant son humanité au monde et le forçant à vivre dans la solitude.
Pourtant, c'est sa foi en sa profession et grâce à l'aide d'une amitié inattendue qu'il reprendra goût à la vie. Dans Braveheart, c'est l'égoïsme et l'avidité qui condamneront William Wallace à un destin funeste. Mais c'est pourtant la foi que tout un peuple portera en ce dernier et son sens du sacrifice qui permettront à tous de retrouver les joies de la liberté. Dans La Passion du Christ, c'est une forme de lâcheté, d'incompréhension, voire même de sadisme qui condamnera Jésus. Mais Gibson ne le dépeindra jamais comme un être divin. À travers sa mise en scène, il nous fait comprendre que Jésus est un homme. Il endurera les souffrances d'un homme et à travers différents flashbacks, vivra l'existence paisible d'un homme lambda, étant montré comme un simple charpentier, un ami, un fils. La foi ici, elle n'est pas religieuse, elle va bien au-delà de ça. On a la haine, oui, mais aussi le pardon et le sens du sacrifice. Et au milieu de tout ça, on a surtout le regard d'une mère qui arrive à effacer toute la haine et le dégoût qu'on pourrait ressentir face à une telle violence gratuite, et qui laisse place à une tristesse si puissante que c'est l'empathie qui sera notre sentiment prédominant face à tout ça. C'est la foi en l'amour qui constitue les fondations du film. Dans Apocalypto, c'est pendant qu'on assiste à la décadence d'une civilisation perdue dans la luxure et manipulée par ses élus, que non loin de là, une mère et son enfant gardent foi en la force et la détermination d'un mari et d'un père qui fera tout pour échapper à la mort afin de sauver sa famille. Et c'est ce même homme qui ne tombera pas dans le piège de l'oppression et préférera vivre en harmonie avec la nature plutôt que de se faire asservir par un peuple, et un peuple chrétien qui plus est. Et dans Tu ne tueras point, il est autant question d'une foi en la religion pour Desmond Doss, qu'une foi en Desmond Doss et donc en l'être humain pour les autres membres de l'armée américaine qui vont puiser dans le courage de ce dernier pour partir au front et combattre au nom de la liberté. On n'est donc pas pleinement sur une foi religieuse, mais plus sur diverses croyances en ce que l'être humain a de meilleur en lui. L'amour, la générosité, le courage, le pardon. Maintenant, il est vrai que ce serait difficile de nier les nombreuses références christiques, tant celles de Gibson sautent au visage. On a d'abord cette utilisation fréquente du latin, qui est la langue prédominante de l'église catholique, et qui à travers son enseignement permettra à Justin et Norstadt de créer un lien d'amitié fort dans l'homme sans visage. C'est aussi la connaissance de cette langue par William Wallace qui lui conférera une aura encore plus importante, et qui permettra un rapprochement entre ce dernier et la princesse Isabelle, et c'est une des langues qu'il utilisera pour tourner la Passion du Christ avec l'hébreu. Les symboles sont aussi visuels, la mise à mort de William Wallace fait totalement écho au chemin de croix du Christ, déjà parce que voilà quoi, je veux dire, ça peut pas être plus clair. Mais aussi de par la réaction de la foule qui le conspue pour ce qu'il est. Rajoutez à ça cette réputation d'être quasi-divin qu'il s'est forgé en endossant et en assumant son rôle de leader. Je suis William Wallace. William Wallace fait 7 pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines, hein. Bon, La Passion du Christ, je n'ai pas besoin de relever quoi que ce soit tant le film est un symbole dans son entièreté, et Tu ne tueras point, qui va voir un enfant voué à une vie de violence trouver Dieu, et grâce à ça devenir un héros en sauvant énormément de vies, avant de lui aussi devenir un leader et mener des hommes à travers sa foi, jusque carrément s'élever dans le ciel durant un plan final, qui finit de confirmer que Mel Gibson éprouve le besoin de mettre en avant cette obsession qui lui vient de son père, mais dont il a su évaluer la nuance, à l'inverse du paternel qui lui s'engouffrera dans un véritable extrémisme. Il faut savoir que Mel Gibson est bien né aux États-Unis, mais l'année de ses 12 ans, sa famille s'installera en Australie afin de s'éloigner d'une société américaine que le patriarche jugera comme bien trop décadente. Il grandit donc avec l'image d'un père catholique cédévacantiste, traditionnaliste et un peu antisémite sur les bords. Et ce sera le combat de Mel durant toute sa vie, essayer de s'émanciper de cette éducation qui le cisaille en deux, créant une sorte de démon qui le suivra toute sa vie, le faisant tomber dans les bas-fonds, en attestent ses nombreuses sorties médiatiques, sa violence excessive et son alcoolisme. De ce qui peut être perçu de l'extérieur, celui que l'on surnomme Mad Mel dans ses pires heures, a toute sa vie tenté d'aller à contre-courant de l'éducation qu'il a reçue, essayant de s'ouvrir au monde à travers sa profession, faisant passer différents messages d'amour et d'acceptation de l'autre dans ses films, mais se faisant souvent rattraper par son être profond, celui qu'on a façonné mais qu'il n'a pas choisi d'être. Son côté obscur qui lui fera sans doute sombrer dans l'alcool et peut-être endosser tous ses rôles où il s'auto-flagellera en permanence. Dans ses films, on a souvent affaire à une mise en scène qui mêle deux extrémités, à savoir la pureté de l'amour et la violence la plus viscérale. Notamment dans La Passion, où la douleur des flashbacks dénote avec une violence quasi insoutenable. Ou encore dans Tu ne tueras point, où la première heure qui se veut être sous le signe de la famille et de l'amour, laissera place à une deuxième heure qui prendra un virage opposé en montrant de façon ultra réaliste ce que violence et guerre veulent dire. Maintenant, là où Gibson vient faire éclater cette bipolarité, c'est à travers la figure du père qu'il dépeint dans ses films. On va toujours avoir affaire à deux éducations bien distinctes et totalement opposées.
Dans L'Homme sans visage, Norstad va sans cesse jongler entre un environnement où la figure paternelle est absente, du moins très variable au vu du nombre de mariages de sa mère, et une sorte de cocon où un professeur qu'il apprécie comme un ami fera au fur et à mesure du récit office d'un père idéal à ses yeux. Dans Braveheart, c'est le père de Wallace, courageux et sage, qui va dénoter avec le roi Édouard, qui ne voit qu'en son fils que déception et dégoût. Dans Apocalypto, deux relations père-fils seront développées, une qui poussera le fils à respecter l'environnement qui l'entoure, à vaincre ses peurs, ce qui l'aidera dans les pires moments à faire preuve de courage, et l'autre qui façonnera le fils dans la violence, représenté par ce couteau, qu'on peut considérer comme une sorte d'artefact synonyme de croyance dans le père à foi, et qu'il transmettra à son fils, que ce dernier acceptera sans vraiment comprendre le sens, et qui engendrera sa perte. Dans les deux cas, on est sur des valeurs de transmission. La différence sera les conséquences de cette transmission. Et je vais bien sûr évoquer la relation très complexe entre un père et ses fils dans Tu ne tueras point. Une relation qui sera en permanence ébranlée par des différences d'opinion et où la frontière entre amour et haine se franchira très souvent. Cette image du père que développe Gibson dans ses films et qui oscille entre bienveillance et machiavélisme démontre un certain tiraillement chez le metteur en scène qui doit, sans aucun doute, projeter sa vision d'un père qu'il aime, qu'il respecte, mais dont il ne comprend pas tous les aspects et qu'il a dû, par ses choix de vie et de carrière, forcément décevoir. Toutes ces symboliques très christiques lui seront constamment reprochées, mais Mel Gibson n'en tiendra pas rigueur et enfoncera le clou, si je peux me permettre cette expression, à travers le développement de ses personnages. Le protagoniste chez Mel Gibson va porter un fardeau. Il va être considéré comme un mythe, un surhomme. Il va porter sur ses épaules bien plus que ce que le commun des mortels devrait supporter. Mais il va être jugé et parfois même condamné pour ce qu'il est, ce qu'il représente, pour les valeurs qu'il défend. Dans L'Homme sans visage, le professeur Justin McLeod sera victime d'une réputation qu'il ne contrôle pas, de rumeurs sur sa personne qui le forceront à vivre en ermite, loin d'une société qui ne supporte pas la différence et qui le jugera sans aucune forme de procès. Dans Braveheart, William Wallace peut être considéré comme le martyr par excellence, mort pour ses convictions, pour ses croyances profondes. Un peu comme le Christ qui se sacrifiera pour une cause plus grande, Wallace acceptera son sort et subira la souffrance pour que son message d'amour soit entendu et compris. Malgré la torture, les deux personnages resteront déterminés à défendre leurs convictions profondes et surtout à y croire. Dans Tu ne tueras point, Desmond Doss va subir sa condition de croyant en se faisant humilier, frapper, harceler et même condamner. Mais à aucun moment il ne reniera ses valeurs. Il souffrira pour les avoir défendues au grand jour, mais c'est sa capacité à ne pas renoncer à sa foi qui lui permettra de sauver d'innombrables vies et qui, tel le Christ, encore une fois, se positionnera comme un prophète, celui à travers qui ses camarades y puiseront force et courage. Doss ne mourra pas pour ses idées, mais la souffrance sera un passage inévitable pour qu'elle finisse par être acceptée. Ce qui m'amène naturellement à la passion du Christ. Avec ce film, il n'est plus question de subtilement faire des références christiques. Ici, il va être question de les montrer au grand jour. Ce qui nous amènera à suivre avec douleur, tristesse et effroi le calvaire d'un homme qui subira la cupidité, le sadisme et la barbarie du genre humain au nom de l'amour et du pardon. Mel Gibson ne nous laissera aucun répit à travers sa mise en scène, mais au-delà de toute violence et autre évidence, c'est la puissance de ses personnages qui prédomine et qui offre à son film une humanité déchirante. Ici, la souffrance de Jésus n'est pas ressentie à travers ses innombrables plaies ouvertes, mais à travers le regard de Marie, campée par l'incroyable Maya Morgenstern, qui parvient à insuffler à son personnage une sincérité bouleversante, surtout au niveau du regard. Car c'est aussi ce qui va caractériser le cinéma de Gibson, la puissance du regard. Dans La Passion du Christ, il est omniprésent, que ce soit à travers le regard malicieux du diable, représenté ici comme un être à la fois vicieux et attirant, sans oublier les yeux incroyablement perçants de Jésus, qui seront retouchés numériquement et qui dégageront une incroyable sérénité, une grande confiance. Cependant, c'est le regard de Marie qui racontera le plus de choses. Le regard d'une mère qui commence par ne pas comprendre les raisons de cette violence, qui subit cette violence par procuration, avant l'acceptation de cette souffrance qui la conduira à prendre sur elle et à soutenir son fils jusqu'au bout du chemin, pour finir par cet incroyable regard qui nous est destiné à nous, les êtres humains, et qui nous met face aux conséquences de nos actes. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai perçu ce regard.
Au-delà de la violence, c'est ce que je trouve le plus intense dans le cinéma de Gibson, la puissance des regards. On y ressent chaque émotion, la peur, la haine, la souffrance, la détermination. Et on le doit aussi à la direction d'acteur exceptionnelle de Gibson, car étant lui-même un comédien expérimenté et très talentueux, il parvient à faire ressortir le meilleur de ses comédiens et s'avère être plus que pertinent sur ses choix de casting. Je pense notamment à Rudy Youngblood, qui campera Pâte de Jaguar, acteur alors inconnu à l'époque du film, et toujours aujourd'hui malheureusement, mais qui parvient à bouffer la caméra par sa présence incroyable. Tout passe à travers ses yeux perçants. Dans un registre différent, Jim Caviezel, qui est d'une douceur envoûtante et qui livre une prestation inimaginable jusqu'alors. Malheureusement, le rôle de sa vie lui aura fermé les portes du succès, et ça, Gibson l'avait pressenti. Lui proposant le rôle à l'époque, en lui précisant que ça signerait la fin de sa carrière, et que même lui, il n'aurait pas accepté. Il a d'ailleurs refusé le rôle de Jésus 15 ans avant la Passion du Christ, car même lui ne se sentait pas capable d'assumer un rôle aussi fort. D'ailleurs, Mel Gibson ne voulait à la base jouer dans aucun de ses films. Il le dit lui-même en parlant de son premier film, L'Homme sans visage. I was terrified, you know. I called up like Clint Eastwood because I'd just seen his film The Unforgiven. I said, "Hey man, I'm really scared. And you're an actor and you directed." And I said, "What's the deal?" He says, "Don't worry about it." I'm like, "Thanks, Clint." And he said, "The tall one, we call him." And he's like, "A lot of this stuff is just subliminal. You'll remember when you need to." I'm like, "Okay." And he was right. You know, a lot of that stuff just comes back out, you know, what you need to. Mais à cause d'une certaine réalité économique, il se devra de jouer dans ses deux premiers films. Cependant, après le tournage épuisant de Brave Heart, il se jurera de ne plus jouer et réaliser en même temps. Sa direction d'acteur est tellement pertinente que même les enfants qu'il caste parviennent à dépasser leurs conditions et à devenir plus que de simples gamins à l'écran. Nick Stoll, dans L'Homme sans visage, a un regard si expressif et fait preuve d'une telle maturité dans son jeu qu'on en oublie parfois que c'est un enfant. Pareil pour le gosse qui joue Wallace, enfant dans Brave Heart, et qui se veut être d'une incroyable justesse, faisant preuve d'une honorable dramaturgie. Sans oublier bien sûr cette petite fille dans Apocalypto, totalement terrifiante. Je pense que c'est le point fort de son œuvre, l'intensité. L'intensité qu'il parvient à extraire de ses comédiens, l'intensité de sa mise en scène aussi, se positionnant comme un précurseur des scènes de bataille dans Brave Heart, qui proposera une approche inédite à l'époque, bénéficiant d'un rythme ultra soutenu notamment grâce au choix judicieux des combats rapprochés au milieu des champs de bataille caméra à l'épaule, mais aussi de la violence graphique qui offrira au film une authenticité inédite. Le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones, entre autres, peuvent le remercier. L'intensité est également le maître mot de la mise en scène d'Apocalypto, qui peut être apparenté au genre de l'action, tant le film vient y piocher sa substantifique moelle. Ce dernier me fait d'ailleurs beaucoup penser à Mad Max Fury Road, réalisé par un des mentors de Gibson, George Miller, et qui sortira 9 ans après Apocalypto. En effet, ici le film démarre par une scène d'action dantesque, la caméra des deux cinéastes étant constamment en mouvement, nous plongeant d'emblée dans leur univers, et les deux films utilisent ce principe de partir d'un point A pour arriver à un point B, avant de revenir au point A à travers une course-poursuite finale à couper le souffle. Bref, on peut dire que la boucle est bouclée. Mais là où Mel Gibson excelle en termes d'intensité, c'est bien à travers sa représentation graphique de la violence, qui, vous allez voir, n'est pas si gratuite qu'on pourrait le croire. La mise en scène de la Passion du Christ, au-delà de parfaitement gérer son rythme en nous épuisant volontairement, offre une violence directe qui se veut pourtant bien moins insupportable que beaucoup osent l'affirmer. Dans le film, la plupart des gestes physiquement violents sont entendus et seulement montrés à travers la réaction de ceux qui en sont témoins, ceux qui la provoquent et celui qu'il a subi. Mais la réputation du film étant son talon d'Achille, beaucoup viennent faire des suppositions sur ce qu'ils n'ont pas vu. Et les autres sont trop occupés à compter les coups de fouet et à y voir une sorte de prise à partie religieuse et autres blasphèmes, là où le message se veut pourtant parler à tous, croyants ou non. Encore une fois, je vous confirme que personnellement, je ne suis pas croyant. Mais le message du film, allant au-delà d'un simple dogme religieux, je me suis retrouvé à travers lui. J'ai ressenti tout ce qu'il est possible de ressentir devant. Et en ce qui concerne la violence graphique qui a choqué les plus fragiles, je trouve intéressant de laisser la parole à René Girard concernant ce point. J'ai des réserves au sujet du film, mais son projet fondamental, c'est-à-dire d'utiliser vraiment le cinéma pour montrer la souffrance du Christ, ça n'a jamais été fait. Mais ça a été fait en peinture, et personne ne s'insurge aujourd'hui contre le Christ de Grunewald à Colmar,
où personne ne s'insurge contre l'art espagnol en général, qui montre des Christs beaucoup plus épouvantables et effrayants que celui de Mel Gibson. Parce qu'au final, c'est là tout le paradoxe du film. C'est sa réputation désastreuse qui en fait un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. J'ai l'impression que celles et ceux qui se sont rendus au cinéma pour aller voir La Passion du Christ l'ont fait comme s'ils auraient ralenti devant un accident de voiture, pour assouvir leurs besoins de violence primaire. Ah oui, donc si le film de Mel Gibson est violent, ben je vais aller voir ça par moi-même. A partir de là, les gens se sont rendus au cinéma avec une seule et unique idée en tête. Pour eux, le film était déjà plié avant même de l'avoir vu. Et tout ceci a bien entendu mis de côté la valeur cinématographique de l'œuvre et le message de son auteur. J'ai découvert ce film à l'âge de 13 ans, et bien sûr j'ai été marqué par son parti pris visuel. Mais je me souviens surtout avoir pleuré devant, car ce que je voyais était bouleversant. J'ai revu le film pour la seconde fois quelques semaines avant l'enregistrement de cette vidéo, soit 14 ans plus tard. Et c'est la preuve que la réputation de ce dernier m'a également atteint. J'appréhendais beaucoup de le revoir, mais après avoir sauté le pas, je n'ai eu aucun regret. Car avec du recul, c'est toute la puissance de l'œuvre qui s'en est dégagée, bien au-delà des polémiques. Ça n'est pas mon film préféré de Gibson, mais c'est indéniablement celui qui restera gravé au plus profond de ma mémoire. Il est donc temps aujourd'hui de remettre La Passion du Christ à sa place d'œuvre artistique et d'en parler comme telle. La violence y est représentée pour une raison bien particulière, qu'on peut ne pas apprécier, mais qui ne peut en aucun cas être condamnée à la seconde où celle-ci est justifiée par une vision artistique. Redonnez sa chance à La Passion du Christ. Ne restez pas sur des idées reçues et vivez pleinement ce qu'un auteur hors pair a réussi à mettre en place. Et croyez-moi, je pense qu'il en a fallu du courage pour sortir ce film. Parce que dans Braveheart, par exemple, la violence est bien présente dans les combats, mais pour ce qui est de la scène de torture, c'est seulement suggéré. Pourtant, cette douleur, cette peine, cette empathie, je la ressens tout autant devant Braveheart que dans La Passion du Christ. Et ça, c'est dû encore une fois à la mise en scène très pertinente de Mel Gibson. Parce que la violence, elle est surtout donnée par l'être humain. C'est lui qui l'a subie, mais c'est surtout lui qui la distribue. Que ce soit physiquement ou à travers ses actes de trahison. Gibson va toujours surélever la violence à travers ses décors, afin de la mettre en scène comme un spectacle. Un spectacle que le peuple se réjouit de voir. Un spectacle dont il est à l'origine. On regarde avec méfiance le manoir en hauteur d'un monstre. On vient assister à la mise à mort d'une conviction que l'on ne partage pas. On vient faire l'état des lieux de la souffrance d'un homme qu'on juge encore trop faible, et on le suit dans cette souffrance. On assiste à des sacrifices avec un certain plaisir sadique, et sous prétexte d'une croyance aveuglément rassurante, on rejoint la scène de cette souffrance pour y prendre part. C'est dans ces moments-là qu'on comprend ce que Gibson conspue. Et ça nous ramène à ce dilemme cité plus tôt. Il vient nous mettre le nez dans nos péchés, mais paradoxalement, il est porteur d'un immense espoir. La violence face à l'amour. C'est comme ça qu'il construit ses œuvres. Et d'ailleurs, il a affirmé que pour lui, Tu ne tueras point est avant tout une histoire d'amour, plus qu'un film de guerre. C'est l'amour entre deux âmes sœurs qui introduit le film. C'est l'amour pour son pays qui pousse le protagoniste à s'engager. C'est l'amour pour ses camarades qui le pousse à se surpasser et à les sauver. Et pour aller encore plus loin, c'est l'amour pour un père de substitution qui pousse un enfant à voir au-delà des différences. C'est l'amour avec un grand A qui pousse un rebelle à partir en guerre. C'est l'amour pour le genre humain qui conditionne un homme aux pires souffrances et aux sacrifices. C'est l'amour d'un mari et d'un père qui offre à un homme le courage nécessaire pour survivre. Mel Gibson met en scène la violence pour mieux faire passer son message d'amour. Maintenant, il est vrai que son cinéma a gagné en intensité graphique et en fatalité au fur et à mesure des films. Mais quoi qu'il en soit, ça n'est jamais gratuit, ça permet de contrebalancer avec un propos pertinent qui finit de confirmer, pour celles et ceux qui en doutaient encore, que Monsieur Mel Gibson est un des tout meilleurs réalisateurs de son temps. Que l'on aime ou pas Mel Gibson, il reste pourtant indéniable que son cinéma est tout aussi unique que marquant. De l'intimiste à l'héroïque en passant par le sensationnel, il aura su en 23 années et seulement 5 films offrir une véritable vision en se surpassant et en allant au-delà du moule hollywoodien dans lequel il a pourtant été façonné. Personnellement, j'aime tous ses films, mais dans cette courte liste, il y en a deux qui méritent vraiment leur place au panthéon du cinéma. De par leur parti pris artistique, leur superbe efficacité, leur message et leur immense réussite. Je ne peux donc que vous conseiller de vous plonger ou vous replonger dans la filmographie d'un metteur en scène peu commun qui n'a pas fini de faire parler de lui.